Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. On avait combattu des orques et découvert un peu plus la vérité sur Stella, sur qui elle est exactement. Et on va essayer d'avancer un petit peu notre histoire. C'est parti. Du coup, Francis, on a une course avec lui. Donc il a des nouvelles courses. Ce qui va surtout nous intéresser, vendre nos trois cartes de magie l'assemblée, c'est celle-là. Hein. Celle-là qu'il faut absolument qu'on fasse avec la carte au trésor. Il nous faut 5 feuilles d'électrum. Et pour avoir les feuilles d'électrum, malheureusement, il nous faut de l'argent. Et du minerai d'argent, on n'en a pas des masses. Donc ça, on va donner. Il reste. Pour l'instant, je vous garde. Hein. Les potions d'expérience, on n'en a pas des masses. Donc, on va rester là. On était au niveau d'Oxbury, si je ne m'abuse. C'est ça. On est au niveau d'Oxbury. Il y a le dragon d'argent juste là. Cela vaut-il le détour? J'aurais tendance à penser que oui. Ici, il y a plein de choses qu'on n'a pas récoltées. Ici, c'est encore un peu flou. Mais du coup, ce que je ferais bien, c'est aller là, prendre le bus. Et avoir un peu de minerai d'argent. On va peut-être aussi essayer d'aller du côté de Overbrook. C'était un petit peu plus au nord de mémoire. Donc on va aller là, en ayant pour objectif le dragon d'argent. Et peut-être bien Sandwich Walk du coup, puisque Sandwich Walk n'est pas très loin, il me semble que ça fait partie des choses qu'on nous demande. Ouais. Sandwich Walk. Déjà un peu de minerai d'argent. Ça va être la première étape. Et puis, ensuite, on verra pour la bataille contre les orques. Elena, as-tu faim? Elena, tu as faim. Elena, il doit me rester une salade verte. Il m'en reste deux. Donc, elle aime toujours pas les câlins, hein, donc on va pas lui en faire. Et j'ai quand même un peu de mal à. Alors, pourquoi la. Ah! J'allais dire pourquoi la vache crie ingrédient. Mais non, c'est Buck qui crie ingrédient. Il a des champignons de la noirceur de la forêt. Elena, Elena, je peux pas lui parler, c'est ça. Donc, on va aller du côté de Summer. Faudra vraiment que j'optimise ce bateau. Allez, c'est parti pour le dragon d'argent. Bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas comme le dragon d'or, il n'est pas chronométré. On peut y aller tranquillement. Surtout quand on se souvient plus comment ça se goupille. Je peux le. Ok. Sérieusement, tu as réussi tout à l'heure.
Je dois bien avouer que sur ce coup-là, l'élan nous aide beaucoup. Mais aussi beaucoup moins long comme évente. Tiens, du coup on a Elena. Peut pas lui parler, ok. Donc direction Sandwich Walk. On a dit que c'était là. On ira peut-être essayer d'explorer un petit coup par là. Parce que on voit bien qu'il y a encore des zones qu'on n'a pas vraiment explorées. Mais là, l'objectif, c'est Sandwich Walk. Bug à faim. Alors, qu'est-ce qu'il nous avait demandé déjà pour le caramel au beurre? Oui. Caramel au beurre, il veut pas. J'essaie de me souvenir, j'en ai peut-être plus hein, de ce que. De ce. Ce à quoi je pense. Glorieux! Votre humble servant accepte ce cadeau réconfortant! Alors que ses papilles jettent un délectable sort de salive, son estomac perd son jet d'initiative. C'est si bon. On va peut-être faire les ventes. C'est pas forcément une priorité. Trop haut du coup. Veux-tu bien descendre correctement? Pas mal, un petit peu de thunes, un petit peu de roche.
Et avec l'argent qu'on a, on va pouvoir sans souci aller voir Albert. D'ailleurs, j'aurais pu profiter de ce voyage pour faire les feuilles d'électrum qui nous manquent, hein. Alors, Sandwich Walk, si je me souviens bien, c'est la ville avec toutes les tous les panneaux. Donc on a un mouton là. On va essayer de toujours pas trop se poser la question sur ce que fait ce mouton ici. C'est parti. Ouais, on a donc droit le petit event avec notre ami Buck. Comme le second feu de Tondor s'allume, des clameurs d'allégresse se répandent dans les vastes étendues du royaume. L'élu est arrivé! Celle qui porte la lumière nous aidera tous! Gloire à la commandante! Gloire alors! Ton cœur flotte d'une si grandiose acclamation, ton âme déborde de sérénité, mais ton esprit reste à l'affût et attentif. Tu sais que, agité par la tourmente de leur disparition, les orques du clan de l'ombre d'acier doivent te chercher. Puis, c'est alors que... Fais un jet d'initiative! 20! Critique! Sans hésiter, tu sautes dans la mêlée, tu prends par surprise l'escadrille d'orques guerriers, tu es prêt à te lancer parmi eux avec habileté et style! Attaque! En bas. Oh. Punaise. Ah, j'y vois rien. Okay, je dois avoir un temps de cooldown sur la lanternelle. C'est pas mal. On a eu combien? On en a eu. On est à 9, on en a eu 2. Quelle bataille! Ils n'ont eu aucune chance! Ce qu'il reste de leurs sombres armures brisées sera vite soufflé par le vent du nord. Commandante! Tu es encore une fois victorieuse! Et cette fois, Gomgota n'a pu s'opposer à ta force et a été héroïquement tuée! Le clan des orques de l'ombre d'acier doit désormais te redouter, puissante commandante. Ils devront user de ruse pour même te retrouver. Mais ne traînons pas une seconde de plus! Ton but est à ta portée, commandante. Naviguons à nouveau! Tous vers le dernier feu de Tondor! Hermès! Il y a mon chat qui fait des bêtises. Ah bah j'irais bien explorer quand même là, ce petit trou là qui n'a pas spécialement besoin de flamboyante. Enfin on pourrait, hein. Toujours la même chose pour troquer avec Francis. On va surtout faire les feuilles d'électrum pour aller avec Francis. Ce qui veut dire d'abord faire les lingots d'argent. Ok, ça monte très vite.
Il nous faut 5 feuilles d'électrum de mémoire. Je sais plus s'il en faut un ou deux des lingots d'argent par... Electrum, c'est là, c'est un de chaque, ça va. On ramasse les caisses. Un vieux soulier permettra de faire de la colle. Et rien de bien plus intéressant. On va aller voir, du coup, avancer un petit peu. C'est peut-être juste rien, hein. Mais il faut que je vérifie. Ce serait dommage qu'on passe à côté sans savoir. Allez, petite feuille d'électrum. Et de une. On se rappellera qu'il nous en faut 5. J'ai l'impression qu'on est plutôt au milieu de nulle part et qu'il n'y a rien du tout. C'est ça, c'est du vide au milieu de nulle part. Même pas de bus. Du coup, on va peut-être remonter directement comme ça, sans se poser de questions. Et je vais faire mes feuilles d'électron. Ce qui nous permettra d'avoir la carte au trésor de Francis. Donc, on va pouvoir aller voir Albert pour faire ces deux choses-là. Pouvoir naviguer plus vite et avoir un bateau un peu plus grand. On n'oubliera pas de réorganiser notre bateau cette fois-ci, hein, tranquillement. Aussi un peu pour que les mini-jeux soient plus faciles. Parce que parfois avec les demi-niveaux et trucs du genre, c'est pas toujours le plus simple pour aller chercher les objets au bon endroit. On est visiblement déjà arrivé alors que j'ai même pas fait ma deuxième feuille d'électrum. Je vous épargnerai peut-être sans doute la fabrication des trois autres ainsi que la réorganisation du bateau. Ah non, on n'a pas fini. Pourquoi j'ai plus le... Bah, je sais pas pourquoi on n'a plus la barre. C'est vrai qu'on n'a pas l'air d'avancer des masses là. Je l'ai arrêté.
ce qui s'est passé. Et voilà la troisième, donc je vous épargnerai la création des deux autres. Je ferai en off, tout comme je ferai en off. On va planter un peu de flamboyante. Je ferai en off la réorganisation du bateau. Je vais essayer de réfléchir à comment faire ça. Là, déjà, on va acheter du coup notre amélioration de bateau pour avoir un bateau qui roule plus vite. Oui, bien sûr, Chobiti, les bateaux roulent. Tout le monde le sait. Oh hé! C'est une redoutable fonderie! Quand ils l'ont construite, ils voulaient vraiment pas qu'elle se fonde dans la foule! Ha! Donc, on peut améliorer. Ici, sur la table à dessin, on a tout. Ici, c'est le dernier niveau, donc on va l'acheter à 80 000 pièces. Et ici, c'est le dernier niveau également. Et je peux pas l'acheter parce que j'ai pas assez de potions d'expérience. Ok. Bienvenue à nouveau au chantier naval, Stella! Dis-moi, de quoi as-tu besoin? Bah, j'aurais besoin de potions d'expérience là pour le coup, mais. J'avais pas fait gaffe que c'était 25 améliorations. Ah oui, potions d'expérience 25. C'est pas très grave, hein. Ça nous fait quand même un bateau plus grand. C'est quand même super cool. Et je pense que du coup, ce qu'on va faire pour la suite, c'est aller du côté de la canopée obscure où on a notre cher ami qui cherche ses fraises. Aller au sommet brunoir parce que on nous y attend et faire les rayons de pulsar meurtrier. Ce qui va tout ça demander à ce que je réorganise ce petit bateau. Parce que du coup, on a un bateau qui est super long. On va d'ailleurs récolter les poires pendant qu'on est là. Mais du coup, je pense que je vais vous laisser là pour cet épisode. Et puis, je vais peut-être faire le téléport avec vous pour nous positionner clairement. Mais pour le reste, quoique, on peut peut-être faire encore les fraises vu le timing. Je réorganiserai avant qu'on fasse les pulsars. Et puis, bien évidemment, avant qu'on fasse le dernier feu. Mais du coup, on va aller là. On va aller tout simplement rendre sa quête. Rendre sa broutille. Au cueilleur de baies de la canopée obscure. Donc on n'a toujours pas trouvé le plan pour améliorer les corals à moutons.
Et je crois qu'il y a un autre truc qu'on n'a pas trouvé. Ton style de jeu est si bon jusqu'à présent. Je veux dire, tes incantations pourraient être sûrement un peu optimisées, mais ton rôle est au top. Même Bob a été impressionné. Et ouais, on n'a jamais eu de fille à la table avant. On est heureux que tu sois là. Je suis vraiment heureux. Je vais essayer de finir la campagne au meilleur de mes capacités. Plus de PNJ. Plus de PNJ. Plus d'éléments d'histoire. Plus d'items magiques. J'ai faim. Tu as faim, ma chère. Tu as faim. On sait que tu n'aimes pas les aliments fins. Donc pas de cuisine raffinée. Un ragoût? S'il te plaît, pas de viande, jamais. Ok, bon bah pas d'aliments fins, pas de viande. Pas de laitage peut-être. Merci pour le repas. Non, le laitage se lui va. Ok. On va du coup essayer de retrouver ce cueilleur de baies. Alors, comment c'était ici déjà? Ah, ça doit être lui. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. J'ai besoin d'air frais. Non, c'est pour lui. C'est pour lui. Est-ce que j'ai besoin de bois? Je suis pas sûre. Daffodil, Daffodil, Daffodil. Cette téléportation de boule de poil. Donc il y a un courant d'air qu'il faut qu'on trouve. C'est quoi ça? C'est du... C'était mou ça, Chobiti. C'est de l'or. La seule chose dont j'avais absolument pas besoin. Il est censé avoir un courant. Je le vois pas du tout. Je me souviens qu'il y a un courant. Pas du tout. Il n'y a pas de courant. Comment j'étais montée la dernière fois? Il y avait, j'ai vu. Si, il y en a bien, je pense. Ah, je l'ai pas eu. On va peut-être pouvoir l'avoir de l'autre côté, en fait. Si on utilise bien notre seau, on attend que ça se recharge. Donc on va de ce côté-là. J'ai pas sauté assez haut, visiblement. Tout à l'heure, j'ai réussi. Tout à l'heure, j'ai réussi complètement au hasard. Et là, j'y arrive absolument plus. Je note, je note, je note. Ah oui, non, c'est juste... Faut regarder du bon côté, des fois. Ça m'apprendra. Je peux les en tirer! Jetterais tu un œil à ça? T'es belle, les trois variétés que j'aime! Mais, elles sont toutes écrasées, écrabouillées! Je peux pas accepter ces baies abîmées par le transport. Je n'aime que les fraîches. Les jeunes, aujourd'hui, ils respectent plus les baies. Bon, tant pis. Je te laisserai pas partir les mains vides. Tu t'es donné du mal pour trouver toutes ces baies. Ce qui, en soi, est toute une aventure. Écoute, fais bon usage de ces baies. Prends soin de toi. Amélioration du verger. Ça valait le coup de venir jusqu'ici. En n'arrivant absolument pas à y aller. Forcément, je regardais pas du bon côté. En tout cas, on va se laisser là pour cet épisode. On va peut-être quand même aller voir
Comment on améliore notre verger du coup? Tu cueilleras maintenant des fruits toute la journée. Des planches de chêne, des lingots d'aluminium. Oui, je vois pas forcément l'intérêt, mais allons-y. Sachant que du coup, c'est pour chaque verger, hein, l'amélioration. Donc là, j'en ai 3, donc il me faudrait théoriquement 3 fois ça pour m'en sortir. Ce qui paraît a priori faisable. En tout cas, comme je vous ai dit, je vais faire mes feuilles d'électrum en off. Je vais réorganiser un peu ce bateau en off pour que ce soit plus facile de naviguer. Optimiser un petit peu ça pour qu'on puisse réussir un peu mieux les éventes. Et on se retrouve et ben, dans le prochain épisode avec un bateau tout neuf. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye!